Bonjour à tous, c'est votre journée, vous êtes même vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. On est de retour sur Resident Evil Révélation. Normalement, je devais être en live, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Ça me marque que ce jeu ne peut pas être diffusé en direct. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça a marché jusqu'à maintenant. Et d'un coup, là, on me met ça, je sais pas. Donc, bon, pour aujourd'hui, ce sera pas du live, ce sera comme d'habitude. Malheureusement, je ne sais pas d'où vient le problème. Je resserrai la prochaine fois pour voir si c'était juste un jour qu'il y a eu ce problème. En tout cas, on est tout de suite parti pour continuer l'aventure. Si vous vous rappelez, on avait été pris au piège. Eh oui, on avait été piégé. Attention. Ben voilà, il va nous expliquer ce qui s'était passé. Contact avec Chris et Jessica. Le signal a été perdu en pleine mer. Le Queen Zenobia. Ici, sur ce bateau. Aucun signe de vie. Mais je sens une présence. On dirait Ina. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? Chris! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, génial. Merde, c'est un piège! Vous allez connaître la vérité. Vous allez pas les détails. Donc voilà, pas besoin de vous expliquer ce qui s'était passé dans la vidéo précédente. Vous venez d'abord un résumé. Attention, épisode 2, double mystère. Chaîne de montagne en Europe. On a Chris là. Je pense qu'on a Chris. Ouais, vite, Chris. On y est presque, Jessica. J'espère bien, oui. J'ai les pieds en compote. Apparemment, la base est sur l'autre versant du pic. Ok, donc on va savoir qu'est-ce qu'ils font au final sur ce bateau. Attends, mais je n'arrive toujours pas à joindre le QG. Je ne pensais pas qu'on allait rester coincé là si longtemps. Tu viens? Charmante demoiselle aussi. Hein? Tu viens? Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh non! Il s'est écrasé! Ah bah oui, c'est écrasé, tu l'as remarqué, c'est bien. Alors les renseignements sur Veltro étaient corrects. Allez. Le site du crash, regardez, il y a des survivants. Bon sang, personne n'a pu survivre à ça. Ok, non. La créature qui a fait ça n'était pas humaine. Ok. Qu'est-ce qu'il pouvait transporter? D'accord, ça me rassure vraiment. Ah, on est en pleine confiance. Hein. La sale créature qu'elle a. Où ça? Je sais pas. En tout cas, il transportait ça dans l'avion. Ça ne fonctionne pas sans clé. Ok, il faut toujours des clés. Il faut tout le temps des clés. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Oh. Ok, bah, regardez. Il faisait peut-être partie de Veltro. Je ferais quoi? Mieux d'utiliser Genesis. Ah, mais on a le Genesis. Ok. Vous avez obtenu plein de vols. Le manifeste peut nous donner une piste. Apparemment, il se dirigeait vers l'aéroport de Valcoin and Moki. Si c'est là qu'il se trouve, cette mine devrait nous y conduire. Ok. Allez, on pousse. Quelle force. Maintenant, on est coincé. Il fait un froid de canard ici. Tu veux que je te réchauffe? Prends ta polaire. Viens, je te réchauffe. Vas-y, viens, je te réchauffe, n'aie pas peur, je veux te réchauffer, ma petite. Hey, t'as entendu? Ok, oui, j'ai entendu. Ça me rassure pas du tout. Il y a une sale bestiole par là. Oh là 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 là, je veux pas la... Ah! C'est quoi ça? C'est quoi pour des bestioles? Je crois qu'ils sont infectés. Fais attention. C'est pour ça que je préfère les tuer. Vas-y. Non, mais c'est impossible à buter. Ça change des hommes poissons, hein. Ok. Sale toutou. Tu crois que l'avion transportait ces choses? Ouais, on dirait bien. Alors Veltro est revenu d'entre les morts. Ouais, et nous devons les arrêter avant qu'ils fassent des victimes. Eh, hey, mon petit toutou, comment ça va? On va prendre celle-ci. Plus précis, pour t'aider une balle à la tête. Elle n'a pas apprécié. Ah ouh! T'as pas apprécié, hein? Ah, elle a plein! Ah, ça va bien. Balle à la tête, regarde ça, c'est plus efficace. Arrête de gueuler. Ah, il a pété ses copains. Allez, allez, par des chiens. Allez, elle plombe le cul. Ouais, c'est bon. Bien joué, Jessica. Bien joué. Ah, j'adore ton col engueulé. Ah, style. Ah, j'aime bien. Allez, on y va. Encore des toutous. Ah, ah, ah. C'est plus efficace, cette arme. Beaucoup plus efficace. Oh, bingo. Regarde tout ce qu'on a. L'heure pour arme biologique, arme secondaire, apparentée à la grenade. Il émet un son à l'impact qui attire les ennemis à proximité avant d'exploser, détruisant tout ce qui se trouve autour. Son efficacité est redoutable si elle est utilisée correctement. Ah, ok. Merde. Ah, ouais, faut l'utiliser correctement. Ouais, mais faudrait pas dire ça, moi, hein. Ok, d'accord, c'est bon. Il y a un autre des chiens. Oh, bah attends, on va pas se gêner. Vas-y, pète. Oh, bingo. Allez, pas plus loin le malade, toutou. Il y en a encore plein, là.
sont coincés, sont buggés. Oh, j'ai la gâchette. Facile, regardez ça. Oh putain. Oh putain, attendez. Hé, hey, Jessica. Il y en a plein. Plein de toutous. Putain, va se faire buter. Voilà, autant. Oh, dans le fion. C'est bien, hein. C'est bon, c'est bon. On a géré, Jessica. C'est très très bien. Bravo. Au fait, c'était Jill, c'est ça? C'est ça quoi? Concentre-toi. C'était ta partenaire avant, hein? Ouais, c'était ma partenaire avant. Et alors? Non, rien. Je me demandais, c'est tout. Mais ça va ou bien me causer comme ça? T'es jalouse? Non, mais l'ami, c'est les jalouses, quoi. Chill, chill, J'aime toutes les filles qui commencent par la lettre J, ma petite. Alors. Oh, merde. Oh, oh. Attention, il va y avoir plein de loups. Chris, tout va bien. Merde. C'est juste ma jambe. Merde. Je repartirai pas tout de suite. Oh, les loups. Jessica, viens m'aider, je m'en fous. Je m'excuse de t'avoir dit des choses pareilles. Attends, Jessica. Ouais, bah, attends. Jessica. Je t'aime. Viens. Jessica. On ira boire un café ensemble. Mais viens m'aider, please. Ah. Jessica. Je t'aime. Viens, excuse-toi. Bon sang. Ils sont trop nombreux. Ah. Oh putain, ils sont gros ceux-là. Non, recharge. Merde. Je vais être court de balle. Oh, à court de balle, t'en as assez. Oui, viens, viens, jolie petite fesse, viens à moi. Ah, petite herbe, vas-y. Boum. Il t'a regardé, là. Il veut tout faire, hein. Ah, Jessica, viens. Ah, putain, viens m'aider. Si je me fais buter à cause de toi, c'est la balle, hein. Mais là, je vois qu'il y a assez, hein. On a eu assez. Ta gueule. Mais ça finit pas. Ça finit pas, tu viens, va chercher ta lave pour voir la paix. Voilà, ça fait le ménage. Ah, Jessica, saute là-bas et viens m'aider. Ah, ah, les petites fesses sont là. Ah, oui. Ça devrait aller. Ah. Désolée de revenir là-dessus, mais... Reviens sur quoi? T'as autant confiance en moi qu'en Jill? Inutile oui, de comparer, oui. Je te fais confiance. D'ailleurs, je fais confiance à tes jolies petites fesses. Se gagne avec les actes, pas avec les mots. Je te reconnais bien là, Chris. Tout n'est qu'une... Avec moi, c'est avec les actes. On s'en fout des mots. Allez, on passe à l'acte. Allez, viens. Viens, Jessica. On va trouver un petit coin chaud. On va pouvoir faire des petits guili-guili. Viens. Allez. Oh, monte ta force. Regarde. Où est-ce qu'on est, là? C'est le repère. Ok. Ici Forkball, à vous. Ici Chris. Je m'en souviens, chef. Vous allez bien? Où êtes-vous? Les interférences ont brouillé notre signal. On est à l'aéroport de Valkolnenmoki. Bon sang. C'est un piège. Comment ça? Encore? J'ai envoyé Jill et on fait que de se faire piéger. De fausses infos. Et maintenant, j'ai perdu contact. Je n'ai plus de nouvelles depuis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chris, il faut que tu vois ça. En fait, c'est un espion, le chef. Il me semble qu'il raconte des conneries, non? C'est belle trop. O'Brien, ça ne va pas vous plaire. Il y a un drapeau de Veltro. Les rumeurs de leur réapparition sont donc vraies. Si c'est le cas, alors... Alors le piège tendu à Jill et Parker, c'était eux? Ouais, j'en suis pratiquement sûr. O'Brien, nous allons chercher Jill et Parker. C'est pas un problème. Pas du tout. Rendez-vous en Méditerranée et on vous tiendra au courant. T'as une idée de ce qui se passe? On verra ça plus tard. Pas du tout. On doit y aller. De retour en Méditerranée, cabine d'invité. Ah, c'est Valentine! Ah oui, bien sûr que c'est, on la reconnaît. À ses yeux. Quoi? Oh, t'es dans un lit. Ils ont profité de toi. Les ordures, on va leur faire payer. Jill. Parker. Où es-tu? Je sais pas, dans une pièce, quelque part sur le bateau. Merde, ce salaud a pris toutes mes armes. Tu peux joindre le QG? Non, les transmissions sont HS. On devrait se rejoindre. Alors, bon, on va s'échapper de la pièce. Qu'est-ce qu'il y a? Où suis-je? Ah, t'es dans un lit, ma petite. J'ai pas tant fait de fête, bien. C'est ce mec, peut-être? Ah! C'est bien, ma petite. Oh, elle était bien... bien barricadée, la porte, hein. Rien à dire. Ah, oh, non! Non, dégueulasse, dégueulasse. C'est cassé depuis un bout de temps, on dirait. Ouais. Ah, non. Ah, une fleur. Ah, regardez, les amis, c'est dégueulasse. Déjà, l'état des chiottes.
Ah, ça donne envie d'aller chier? Moi, pas du tout. Et encore moins d'aller prendre une douche. Et j'ose même pas imaginer ce qu'il y a derrière ce rideau. Hein? J'ose même pas imaginer. Attention, on va regarder les chiottes. Attention, il y aura quelque chose à derrière. Ah non, c'est rempli d'eau croupie. Il y a peut-être quelque chose. Ah, mais elle va toujours foutre ses mains là-bas dedans, hein, bien sûr. Tout ce qui est dégueulasse. Ah, tournevis. Ah, tournevis, prends-le. Ça peut te servir à je sais pas quoi. Donc, tu peux faire quelque chose avec le tournevis. Tu peux crocheter la porte. Ah! Putain, je fais comment? J'ai pas d'arme. Esquiver, appuyer sur et ah, juste avant une attaque ennemie pour esquiver. Ah, ok, ah, d'accord. Ah, j'ai eu. Ah, t'as pas de belles fesses. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, vas-y. Vite! Vite! Ah, mais son cul, il est horrible. Vas-y, dépêche-toi. Oh non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà, c'est bon. Ah, attention, il arrive, dépêche-toi, dépêche-toi. Putain, mais c'était de la merde cette partie. Oh! Attention, je peux pas récupérer des armes, ça t'arrête si j'ai pas d'armes. Ok, donc là c'est fermé. Je devrais pouvoir rejoindre le pont par ici. Ouais, mais ça va être fermé. Super, actuellement. Bah non, t'as pas d'armes. Oh putain. Non! Mais putain, mais foutez-moi la paix! Foutez-moi la paix, bordel! J'en ai marre, ces monstres! Trop tard, t'aimerais pas m'avoir. Ok. Oh non. Oh! Oh mon dieu! Oh, c'est dégueulasse. Oh, regardez-moi ça, mais c'est tech. On va laisser bouffer en paix. Ah, je vais vite pousser ça pendant qu'il est là. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose à derrière. Ah, vite, vite. Non, encore une fois. Vas-y, vas-y. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, ces poisons, ces hommes poissons. Oh, putain. Ah, tu vas bien? Je t'aime. Ça va, mais le bateau est infesté de mutants. Ok, il va nous falloir nos armes. Oui. Je crois que je les ai vus en venant, mais je pouvais pas les attendre. J'ai besoin de toi pour les récupérer. Ça ira si on reste ensemble. Ok, viens, je te suis. Ah mais retiens-moi la porte, putain! On y va. Oh, punaise. On passe par où? Attends. Hop, vas-y. Vas-y. Higo, ah! Tiens ça! Bête! Ah putain, il est pas mort! Il est pas mort! Les armes que j'ai trouvées sont juste devant. Vite. Ouais, bah moi je croyais qu'il était mort. Tiens ça! Ah! J'ai plus rien! J'ai plus rien! J'ai plus rien, vas-y. Ah! Ah! Vas-y. Attends, quand je vais revenir avec mes armes. J'ai trouvé nos armes. Elles sont là. Ah! Merci. Vous avez obtenu une pièce personnalisée, ok. Elles sont où? Elles sont où nos armes? Là? Oh non. Vas-y, oh la force. Oh, vous êtes trop fort. Ok, relance tout ça. Ouh. Équipement récupéré. Voilà, c'est bon, cette fois, on a tout notre équipement. On a récupéré nos armes. Et maintenant? Maintenant, on contacte le QG et on leur dit ce qui se passe ici. On devrait pouvoir y arriver depuis le pont. Allons-y. Allez vers le pont et on va pouvoir se faire un plaisir à buter tout le monde. Et on avance. On passe là, je sais pas du tout où on va. Ah, c'était des chiottes. Ah, c'était tout aussi simple que chez moi. Hein. Ah, ouais. Qu'est-ce que ça? Crue! Ah! Tiens dans les rails, il m'a fait peur! Putain! Tiens dans les couilles, salaud! Oh, attention, il y en a qui vient là! Tu crois que t'avais pas vu, moi, dans la brume? Tiens, un coup de couteau! Allez, il y en avait un. Il y en a un qui bouffait par terre, hein. Allez, il est là! J'ai vu son nom! J'ai vu son nom! Ah, non! Attends, un couteau! Attends! Boum! Voilà! Allez, oh, putain! C'est quoi? C'est quoi? C'est qui? C'est quoi, il est où? Il est arrivé d'où, lui? Putain, ils arrivent de partout, hein? Tiens, je vais te castrer. C'est qui le plus malin? C'est qui le plus malin? Oh, celui-là, il est beaucoup plus dégueulasse. Il est beaucoup plus horrible que les autres, putain. Fuyons, il y en a partout. Allez, occupe-toi du gros, moi je m'occupe de lui. Voilà, j'ai fini mon boulot, ciao. Pourquoi il peut pas te buter? Pourquoi ils en ont qu'après moi? Attends. Non! Putain, il en a qu'après moi, cet enfoiré! Putain! Il s'en fout de toi! Ah! Putain, il en a rien à foutre de toi, c'est qu'après moi! Ok. Allez! Ah, les missions! On va où, là? On va où, là? On peut aller là-bas? Ou ici? Attends, moi, je vais... Ah non, je peux pas ici. Attends, voilà. Ok, on a un ascenseur! Où est-ce qu'il va nous amener? Je sais pas. Appuie ce bouton.
Au pont. C'est là où on voulait aller. T'as quelqu'un qui court, hein. Il y a eu un drôle de bruit, hein. Quelqu'un a déjà ouvert. Quelqu'un a déjà passé par là. Oh, l'homme au masque. Peut-être. Peut-être. Attends. Y'a rien. Je suis sur le pont. Moi aussi. Il y a derrière toi, pourquoi tu lui dis ça, quoi? Alors, le système de transmission est HS. On peut pas changer de trajectoire. On est à la dérive. Il vient d'arriver. Celui qui a fait ça doit pas être loin. Attention, attention. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ne me dis pas que c'était notre bateau. Merde, on est coincé. Tire. Oh, quelle souplesse. Un geste, lâchez votre arme. Toi d'abord, Parker. Vous êtes qui, vous? C'est passé. Épisode 2, double mystère, fin. Donc voilà les amis, on a fini ce deuxième épisode sur Resident Evil Révélation. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fin mystérieuse, qui est ce personnage qui nous menace et qui connaît par cœur. Eh ben, on verra peut-être dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de commenter et aussi de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. A tout bientôt, peut-être sur Mixer. Tout dépendra si le jeu veut être diffusé en direct ou pas. On verra ça dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.